Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre homme serviteur Rito. Je suis très content ce matin, vous savez pourquoi? Parce que je viens de voir quelque chose qui est vrai. Parce que moi, quand je parle, c'est parce que je vérifie d'abord. Voilà. Très bonne information aussi, Didier Arafat. Et j'aimerais qu'on en parle. Et il y a aussi le faux buzz entre Vétio Lulas et Tiesco le Sultan. On doit en parler aussi. Voilà. Pour ceux qui me demandent de me suivre sur Instagram, c'est irritant. Vous tapez irritant sur mon sur Instagram, vous allez me retrouver. Ou bien si c'est difficile, vous tapez irritant 2, le chiffre 2, STB. Vous allez forcément me voir. Voilà. Vous pouvez me suivre là-bas. Là-bas, pour l'instant, c'est juste des images. Je ne suis pas encore très actif là-bas. Très, très actif. Mais hein, allez vous abonner. À 1000, je vais commencer à vous envoyer du contenu là-bas, du bon contenu. Voilà. Pour l'instant, j'ai que 300 personnes qui me suivent sur Instagram pendant que j'ai dépassé les 40 000 ici. C'est pas intéressant, les amis. Donc, allez massivement vous abonner là-bas aussi. Cependant, comme je vous ai dit, je suis très content ce matin parce qu'il y a une très bonne nouvelle sur Didier Arafat. Mais en même temps, vous connaissez, moi je dis la vérité et puis je dis ce qui ne va pas en même temps. Actuellement, vous n'avez pas dit hier soir, Didier Arafat était 8e dans le classement R&B and Soul sur iTunes. Et c'est très bien, en tout cas, je vois que la Chine fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que quand on fait des vidéos pour vous interpeller, vous nous insulter, vous fâcher, mais apparemment, ça porte le fruit parce que je sens que vous vous démerdez beaucoup. Voilà, vous avez vu le screenshot là, vous pouvez vérifier, il est 8e, peut-être qu'il a, il est monté encore ce matin, mais là, il est descendu, mais actuellement, pour ne pas dire hier, il était 8e. Et c'est très, 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 très bien. Je vous en félicite beaucoup. Continuez de soutenir l'artiste. Même si sa communication est très 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 mauvaise, parce que moi j'en veux pas à Didier Arafat, mais j'en veux surtout à Universal. C'est comme si Universal n'était pas sûr de son joker en fait, c'est-à-dire de son projet. Voilà, je peux pas comprendre que Didier Arafat chez Universal Africa, et puis bon, une communication nulle, c'est une communication même qui. Je sais pas comment les choses la qualifier, mais franchement, c'est vraiment nul à chier. Je sais pas si officiellement c'est juste un contrat de licence, mais c'est un contrat de production et de licence. Parce que la licence, c'est que Universal te distribue, hein, c'est tout. Maintenant, si c'est une production, normalement, si c'est une production venant d'Universal, la communication devait être bien meilleure que ça. Voilà, on devait avoir la bombe de Didier Arafat partout. Quand je dis partout, c'est partout. Parce qu'actuellement, tes fans du Togo réclament la bombe, tes fans du Burkina réclament la bombe, tes fans de la sous-région réclament la bombe. Mieux, tes fans des États-Unis, de l'Europe réclament la bombe. Parce que les CD ne sont pas dans les FNAC. Et c'est pas normal, c'est vraiment, vraiment pas normal. Parce que moi, j'essaie de comprendre un peu. Hein, j'essaie de comprendre un peu. Comme tu vas avoir un dicto à la hauteur des MHD consorts, tu te dis que bon, tu vas vendre un peu des CD à Bijan ici et obliger tes fans à acheter ton album sur les plateformes payantes. C'est bien pensé, mais il serait intéressant aussi de vendre aussi le physique en Europe et partout dans la sous-région. Parce que tout ça aussi est comptabilisé pour te décerner un dicto. La chose qui ne me plaisait pas, comme je vous ai dit là, je suis très content. Vous faites beaucoup pour Didier Arafat, il est 8e actuellement sur iTunes. Le problème, c'est que dans la partie toute catégorie, Didier Arafat n'y figure même pas. Didier Arafat n'y figure même pas. Et là, il est 8e en fonction de la semaine, pas en fonction de sa sortie. Voilà, donc faites encore mieux que ça. Voilà, je sais que vous pouvez mieux faire que ça. Donc, bougez-vous. iTunes, R&B and Soul, 8e, c'est très bon. Ça veut dire que vous achetez l'album beaucoup, mais c'est pas assez pour un disque d'or. Donc, maniez-vous, les amis, maniez-vous. Dans la catégorie
c'est tous les albums confondus, que ce soit R&B, que ce soit rap, que ce soit soul, dans la catégorie, dans la partie catégorie toute confondue, DJ Rafa ne figure pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Je me perds dans mes propos. C'est comme ça. Quand je suis fatigué, c'est comme ça. Voilà. Donc, veuillez m'excuser. Ça arrive aussi. Hein. Voilà. Donc, la Chine, c'est ça un peu l'info du jour. Petite info rapidement. Comme vous dites, il ne faut pas en trop parler si DJ Rafa là. Voilà, j'avais vraiment envie de parler, de brosser ça. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Et une autre chose, le clash de Vecchio Lolas et Tiësto le Sultan. Mais apparemment, les deux me sont en train de se dégonfler. Hein. Vecchio Lolas, moi je comptais sur toi. Actuellement, là, tu es bien parti. Ta page commence à avoir un peu d'audience, mais tu nous as branché toute la journée d'hier sur ta page. Moi, j'attendais le direct de la place CP1, là, mais apparemment, peut-être que Tiësto t'a appelé ou bien soit tu as eu peur. Franchement, moi, il n'y a rien compris. Il n'y a rien compris. Moi, j'attendais au moins c'est un direct pour nous dire que bon, je suis à la place CP1, j'attends Tiësto le Sultan, je ne le vois pas et tout ça. Bref. J'espère que tout ça c'est du buzz. Hein. J'espère bien que tout ça c'est du buzz parce que ça ne vous amènera nulle part. Voilà. Dieu vous a fait la grâce d'avoir un peu quelques miettes, gérer les pour votre famille, pour la suite de votre carrière. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Et Tiësto le Sultan, c'est vrai qu'il fait la grande queue, mais c'est aussi un artiste ivoirien. Hein. C'est aussi un artiste ivoirien. Donc je ne vois pas le mal. Je vois vraiment, vraiment pas le mal. Et en tout cas, pour dire aussi, comme DJ Rafa ne te répond pas, comme DJ Rafa ne te répond pas, il faut essayer de te frotter avec Chololas. Nous, on veut voir de quoi tu es pas capable. Parce que tu nous dis avoir frappé truc Bobo Avatar, mais les proches de Bobo Avatar disent il n'en est rien. Donc, on veut vraiment voir ce combat-là et voir de quoi tu es capable. Là, au moins, ce qu'on va voir, on va dire, c'est ce que le Sultan, c'est un garçon, c'est un champion. Donc faut se méfier de lui. Quand il dit va te frapper, il te frappe. Voilà. Tu nous dis avoir frappé, truc, Poitou le Gâté, on n'a rien vu. Voilà, on n'a rien vu. On a vu juste un coup de pied en l'air. Et puis, ça s'est arrêté là. Voilà. Donc, Vecchio Lolas, toi aussi, tu nous as branché, branché, tu as fait la gueule, tu as parlé, 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 parlé. Toute la Côte d'Ivoire compte sur toi. Voilà, parce que tu es sollicité en vrai, vrai, nous fatigue. Il est en train d'atteindre ses objectifs sans que vous le sachiez en fait. Voilà. Mine de rien, les page people parlent beaucoup de lui. Et il fait son petit buzz tranquille. Voilà. Il est devenu bankable maintenant. Voilà. C'est-à-dire, il est devenu vendant. Voilà. Il se vend facilement maintenant sur ces page people là. Donc, c'est sur toi que la Chine compte. C'est sur toi qu'Eriton compte. Voilà. Parce que moi, je suis sportif, boxe-thaï, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas 5 millions, j'ai pas 10 millions pour me frotter à Tiësto le Sultan. Donc, puisque toi, tu dis que tu n'as pas besoin d'argent, tu veux juste tester rapidement. Voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Donc, on compte sur toi, Vecchio Lolas, on compte sur toi. Donne-nous la suite, donne-nous des nouvelles. Voilà. Et puis, pour info, j'aimerais profiter pour vous dire que Vecchio Lolas fait sortir son dernier là. Je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos, je le dis encore ma vie, qui se comporte très très bien. Il a 11 000 vues sur sa chaîne YouTube. Donc, je vous invite tous à aller écouter son son. Le mec, il est super doué, il est super fort. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment, vraiment, vraiment rien à dire. Il a besoin de notre soutien. Il a vraiment, vraiment besoin de notre soutien. Parce que le mec, comme je me fatigue toujours à le dire, il a fait beaucoup, 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 beaucoup. Et pour DJ Rafat, et pour Serge Bineau, et pour Baby Philippe, et pour Déborder le Koufa, et pour plein, 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 plein d'artistes. Donc, famille, soutenons Vecchio Lolas. Déjà, même qu'il veut prendre la défense de notre Daichi Khan face à Tiësto le Sultan, je pense qu'il mérite beaucoup, beaucoup de partage, beaucoup, beaucoup de clics sur son lien et tout ça. Donc, moi, c'est un artiste que j'apprécie. C'est vrai que souvent, il fait des sorties un peu gauche, mais c'est un artiste que j'apprécie énormément parce qu'il est super bourré de talent. Voilà. Donc, pour récapituler, sachez que DJ Rafat est 8e dans la catégorie R&B and Soul sur iTunes. C'est bien, la Chine, c'est très très bien. Mais le bémol, c'est que dans la partie toute catégorie confondue,
il n'y figure pas. Et c'est vraiment, vraiment pas normal. Voilà. Comme j'ai dit, c'est pas bon signe. Voilà. On ne vous dit pas que la bombe ne sort pas. Mais pour avoir un disque d'or, ce n'est pas bon signe. Voilà. Donc, je compte énormément sur vous. Je sais que ce disque d'or, on va l'obtenir. Mais bougez-vous. Bougez-vous. Voilà. Parce que nous aussi, on achète l'album. Mais voilà. Ne pensez pas qu'on vient parler seulement. Moi, à minuit, j'ai acheté ces 10 heures. Claire. Voilà. Donc, c'était un peu ça la vidéo du jour. J'espère que vous a plu. C'est une information à prendre au sérieux. Hein. Bougez-vous la Chine. Il est 8e actuellement. Et il est nulle part dans la catégorie toute chose, dans la partie toute catégorie confondue. Voilà, donc c'était un peu ça, c'était irritant. J'espère que la vidéo vous aura plu.